Élu le maire, mais avec un taux de participation quand même très faible, puisque finalement c'est 17% de notre population, donc des électeurs électrices, qui ont réélu ce maire. Voilà, je suis étonnée de ne pas en avoir entendu parler là à l'annonce des résultats. Ça confirme effectivement notre inquiétude sur la mobilisation des électrices et des électeurs. Mais j'entends aussi que voilà, ceux qui se sont déplacés ont réélu un maire. Nous serons donc dans l'opposition demain et nous serons, je pense, une opposition imaginative, constructive, comme on l'a toujours été, parce qu'on a des idées et qu'on continuera à les porter. Nous n'avons pas la victoire amère ni on va dire... ni aucune envie de vengeance.